demander des anguilles. Qu'en fais-je d'aujourd'hui? Les dernières nouvelles du jour. Toutes fraîches. Demandez les dernières nouvelles. Anguilles. Les belles anguilles. Je suis le docteur Watson. En 1889, je partageais cet appartement avec Sherlock Holmes. Je participais aussi, jusqu'à un certain point, à plusieurs affaires que devait résoudre Holmes. L'une d'entre elles, qui fut une des plus sanguinaires et des plus effrayantes, eut comme point de départ une canne oubliée par un visiteur inconnu. Il s'agissait de l'affaire que j'avais appelée la malédiction du chien des Baskerville. D'après un manuscrit ancien, la malédiction frappa tout d'abord Sir Hugo Baskerville, il y a une centaine d'années, en l'an de grâce 1762. Enlevez-lui cette robe et habillez-la de soie. Je t'ai payé une belle somme à ton père. Et par le Seigneur, j'aurai ce pourquoi j'ai payé. Non. Veillez à enlever cette crasse qu'elle a sur le corps. Messieurs. Allez. Allez, allez. Vous le tenez, Hugo. Allez, massacre-le. Vous le tenez, Hugo. Il est à vous. Il est prêt de taille, achevez-le! Allez-y, allez! Ouais. Tu es battu cette fois, Daniel, tu es battu! Oui. Allez, donne-moi du vin! Dix shillings sur la brune! 10 shillings du nerf, souillon! Allez, 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 Monseigneur! Monseigneur! Oui, alors, où est-elle? Je ne sais pas, monsieur. On l'a enfermée dans la tour du Nord pour qu'elle s'habille, mais quand on a appelé, elle n'a pas répondu. La porte est fermée à clé. Thank you.
Qu'arrive-t-il aux chiens? Pourquoi s'arrête-t-il? Seul un monstre diabolique peut leur faire peur. Que maudit soit le diable. Je n'ai pas peur de ce qui n'est ni chair, ni sang. Sir Hugo, prenez garde! Que vous apprend cette canne, Watson? Pardon? Je dois dire, Holmes, que parfois j'ai l'impression que vous aviez des yeux derrière la tête. Non, mais j'ai devant moi un service à thé fort bien astiqué. En êtes-vous arrivé à certaines conclusions sur notre visiteur inconnu? Oui, désirez-vous les connaître? Eh bien, pour commencer, nous connaissons son nom et sa profession grâce à cette plaque. Au docteur James Mortimer, de la part de ses amis du CCH 1884. Je dirais que c'est un homme assez âgé, car à voir l'usure qu'il y a sur l'embout, c'est une canne de marche et non de parade. Et il semble avoir réussi à être tenu en estime. Ses amis du CCH doivent faire partie d'une société de chasse, enfin du moins, à mon avis. Oui, ça doit être un médecin de campagne. Et sur quoi fondez-vous votre dernière déduction? Vous voulez dire qu'ils vivent à la campagne? Eh bien, regardez ces marques sur le bois. Il est évident qu'elles n'ont pu être faites qu'à la campagne. De plus, de nos jours, aucun médecin citadin ne marche suffisamment pour faire les marques qu'il y a là-dessus. Excellent, Watson. Vous êtes d'une grande logique, mais je crains que les faits ne soient erronés. Ah bon? Oui, je croirais plutôt que c'est un présent fait à un médecin par un hôpital que par une société de chasse. Et dans ce cas, le CCH pourrait vouloir dire Charing Cross Hospital. Maintenant, si c'est un des grands patrons, j'imagine que ce serait écrit sur cette plaque. Nous devons donc en conclure que ce devait être un jeune médecin, je dirais la trentaine, marié, mais assez jeune de caractère pour jouer avec son chien. Quel chien? Sûrement un terrier. Ces marques ont été faites par les dents d'un chien et la taille de la mâchoire montre qu'il s'agit d'un petit chien. J'ajouterai que les empreintes des incisives supérieures sont assez caractéristiques pour appartenir à un certain type de terrier. Vraiment? Je crois que l'annuaire médical nous donnerait des détails plus précis sur notre docteur Mortimer. Oui, peut-être, oui, ça va. Oui, ça va. Bon. Oui, voilà. Mortimer James. MRCS, Université de médecine de Londres, interne en chirurgie au... Oui, Watson? Au Charing Cross Hospital, de 1882 à 1884, auteur des différenciations crâniennes du néolithique chez Lancet en 1882. Médecin sanitaire exerçant dans la paroisse de Grimpen, Dartmoor, Devonshire. Vous devez reconnaître que le Devonshire, c'est la campagne. Vous avez raison, Watson. Bien. Mais je crois que nous avons juste le temps d'aller rendre sa canne au docteur Mortimer. Nous y allons? Oui, bien sûr. Mais où? Au Musée Royal d'Histoire Naturelle, voyons. Eh bien, nous y voilà, Watson. Merci. Intéressant, très intéressant. Eh bien, vous venez, Watson? Vous savez, Holmes, vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous pensiez trouver le docteur Mortimer ici.
conférence sur l'évolution crânienne? Il y avait un article à ce sujet dans le Times de ce matin. Il serait extrêmement étonnant que l'auteur des différenciations crâniennes du néolithique ne profite pas de l'occasion pour venir faire un tour à Londres. Oui, mais comment allons-nous faire pour reconnaître le docteur Mortimer? Ça ne devrait pas être difficile. Docteur Mortimer? Hein? Je crois que vous avez oublié ceci chez moi. Oh, merci. Mais comment avez-vous... Oh, monsieur Holmes, c'est ça? Je présume que vous vouliez me parler d'une affaire. Oui, et je m'apprêtais justement à me rendre chez vous. Bien, alors pourquoi ne pas en discuter en déjeunant à l'Alexandra, si cela vous convient? Oui, bien sûr. Watson? Certainement. Pardonnez-moi, mais avez-vous un chien? Non. Hein? Non? Enfin, plus maintenant. J'avais un terrier, mais il est mort. N'ayant pas la chance d'avoir d'enfants, ma femme et moi y étions très attachés. Oui, bien sûr. Oui. Vous devriez goûter une de ces crèmes bourdaloues, docteur. Oh, oh non, merci, pas pour moi. Mais moi, avec plaisir. Bien. Vous nous parliez de cette fameuse malédiction du chien des Baskerville. Oui, mais vous me paraissez tous les deux déjà connaître la légende du chien. Un beau ramassis d'idioties. En tant qu'homme de science, je suis sûr que vous êtes d'accord. Oui, évidemment. Excepté sur le fait que depuis la mort de Sir Hugo Baskerville en 1762, jusqu'à maintenant, aucun membre de la lignée ayant vécu à Baskerville n'est mort de ce que l'on pourrait appeler de cause strictement naturelle. Ce ne furent que des accidents, des disparitions, des noyades. Pas tous, en réalité, docteur. Je crois avoir lu, il y a quelques mois, que la mort de Sir Charles Baskerville était due à une cause naturelle. Il a eu une attaque. Oui, et justement, il se trouve que c'est moi qui ai trouvé le corps de Sir Charles, alors que je traversais la lande le lendemain matin. La lande? Eh bien, il semble évident que Sir Charles ne prenait pas cette superstition du chien fantôme très au sérieux. Non, tout au contraire. C'est ce qu'il y avait d'étrange. Il courait toutes sortes de rumeurs, de ragots, colportés par des gens qui prétendaient avoir vu un chien gigantesque, luisant comme s'il était en feu. Sir Charles prenait ces rumeurs très au sérieux. Il n'allait jamais sur la lande, même pas le jour. Oui, et c'est en raison de toutes ces histoires qui circulaient que j'ai pris la décision de... De cacher certains faits. Exactement. Quels faits? Il y avait des empreintes de pieds à côté du corps de Sir Charles. De pied d'homme ou de femme? Ni l'un ni l'autre. Ces empreintes de pied n'ont pu être faites que par un énorme chien. Franchement, c'est plutôt difficile à croire. C'est ce que je penserais si je ne les avais vues. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Pour ces empreintes? Plus que sûr. Personne d'autre ne les a vues? Non. Une pluie soudaine les a effacées complètement. Oui, vous disiez que cette affaire posait un autre problème. Lequel? Eh bien, Sir Charles avait un jeune frère qui est mort. Il faisait de l'élevage au Canada. Il a laissé un fils, Henry. Enfin, Sir Henry. C'est lui l'héritier de Baskerville Hall. Il va arriver du Canada par le train, à la gare de Waterloo, dans exactement une heure. Il va sûrement vendre cette vieille demeure et repartir pour le Canada. Non. Et c'est là le problème. Il a câblé qu'il voulait venir s'installer à Baskerville Hall, ce qui me fait peur. Vous voulez dire qu'en fait, vous craignez pour la vie de Sir Henry s'il va à Baskerville Hall? Voyons, vous êtes un membre de notre profession. Vous ne pouvez pas croire aux apparitions diaboliques, aux bêtes fantomatiques, à un chien brûlant de flammes sulfureuses de Satan. Vous ne croyez pas à toutes ces fadaises? Je ne suis pas certain de ce que je crois ou pas. Seulement, étant exécuteur testamentaire, j'avoue me sentir responsable de la sécurité de Sir Henry. Mais si vous estimez que cette affaire ne correspond pas à vos capacités... Pas du tout. Non, je trouve qu'elle y correspond parfaitement. Mais j'en saurai plus quand j'aurai parlé à Sir Henry. Alors, revoyons-nous demain, à 10h, à mon appartement. Avec plaisir. Nous serons chez vous à 10h. Au revoir, messieurs. Entre nous, Holmes, vous ne croyez pas que ça puisse être l'œuvre du démon ou quelque chose de genre? Non, je suppose que non. Mais j'ai vu des hommes dont les actes rendaient l'intervention du diable tout à fait inutile. Oui, vu sous cet angle, oui. Seulement, il y a une chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Rien qu'une. Oui. Comment saviez-vous à quoi ressemblait Mortimer? Je ne le savais pas. Vous l'avez appelé par son nom? À cause de sa canne. Comme vous l'aviez vu, l'embout était usé. Mais il l'était plus d'un côté que de l'autre, ce qui indiquait que son propriétaire était un homme qui avait un léger, mais perceptible, boitillement. Oh.
Un autre bandit, Watson? Non, je ne devrais pas. Oh, voyons. Mais rien qu'un connu. Mais bâtiment. Tout évident, bien sûr. Élémentaire, mon cher Watson. Comment trouvez-vous Londres, Sir Henry? C'est trop grand pour moi. Les tramways, les calèches, tout le monde se bouscule. On a le temps de ne rien faire, aucune courtoisie. Figurez-vous qu'hier soir, j'avais mis des chaussures neuves devant la porte de ma chambre d'hôtel pour les faire cirer. Il y en a une qui a disparu. Perdue, volée, bref, volatilisée. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Tout le monde s'en moque. J'avoue que je n'attends qu'une chose, c'est me retrouver à Baskerville Hall. Le paysage s'y étend à perte de vue et on y est servi encore à l'ancienne. Alors vous avez décidé de vous y installer définitivement? Dès que je le pourrai. Oh, je suis au courant de cette histoire de chien démoniaque. Vous savez, affronter des loups quand on chasse dans la baie d'Hudson, là, il y a vraiment de quoi avoir peur. Mais les histoires de sorcellerie et une lettre de menace, ça n'est rien. Et si je donne mes chaussures à cirer à Baskerville Hall, aucune ne disparaîtra. Pardonnez-moi, Sir Henry. Vous parliez de lettre de menace. Oui, on en a déposé une à mon hôtel. Une plaisanterie de mauvais goût, j'imagine. Puis-je la voir? Bien sûr. Merci. Qu'en dites-vous, Watson? Si vous tenez à votre vie ou à votre raison, tenez-vous éloigné de la lande. Moi, je ne considère pas cela comme une plaisanterie, même de mauvais goût. Non, je crois que non. Dites-moi, qui sait que vous êtes descendu au Northumberland Hotel? Personne. Cette lettre prouve que quelqu'un le savait. Sûrement quelqu'un de délicat, de peu argenté, de nerveux, un peu distrait, pas illettré, peut-être même cultivé, enfin... Ce n'est pas quelqu'un qui habite à Londres. C'est du papier, sans filigrane et bon marché. Le mot « lande » étant peu courant, a été écrit à l'encre. Mais les autres mots qui sont imprimés proviennent du Times, de la page littéraire. Vous voyez, Watson, ces caractères allongés? Et vous n'avez rien à nous dire de plus? Non. Eh bien, j'ai peur que même d'autres indices ne nous donnent pas le motif de cette menace. Bien, si nous attendions pour pousser plus loin nos spéculations de nous retrouver à votre hôtel, disons, à 2 heures. Très bien. Cela me donnera le temps de renouveler ma garde-robe. Et moi, je vais en profiter pour aller voir quelques-uns de mes confrères. Je pars avec vous, docteur. Monsieur Holmes. À tout à l'heure. Au revoir. Ne devrions-nous pas accompagner Sir Henry? Je ne crois pas, non. Mais il va être seul, si jamais la lettre était sérieuse. Nous ne savons pas si elle l'est. Mais nous ne savons pas non plus si elle ne l'est pas. C'est exact. Dites-moi, Holmes, vous ne croyez pas que vous prenez cette histoire un peu à la légère? Je ne crois pas. Ce n'est pas que ces histoires de superstition m'impressionnent le moins du monde, mais comme William Macbeth Thackeray le dit si bien... Ils ont traversé et se sont séparés. Venez, Watson. Sir Henry est suivi. Écoutez, nous allons faire le tour par l'autre rue. Cette petite rue. Ah.
quelle malchance. Non, ce n'est pas de la malchance, Watson. C'est de la stupidité, ma propre stupidité. J'aurais dû me douter qu'il m'aurait tout de suite reconnu. Eh bien, en tout cas, nous lui avons fait peur. Nous seulement rendu plus prudent. Il n'y a pas de quoi être fier. On l'a perdu et c'est ma faute. Et tout ça pour rien. Si au moins j'avais pensé à noter le numéro de ce fiacre. Quoi, vous n'avez pas noté son numéro? Non, je viens de vous le dire. J'ai été bien inspiré de le faire dans ce cas. Allez, là. Oh. Bonsoir, monsieur. Higgins, ces gentlemen voudraient des renseignements sur un client que vous avez conduit du côté de Barkham Square il y a une heure. Vous le rappelez? Oh, parfaitement, monsieur. Il m'a donné 3 livres pour le conduire partout, il me le dirait. Il m'arrêtait, me faisait repartir d'un côté ou de l'autre. Et tout à coup, il est descendu sans un mot. Pourriez-vous nous le décrire? Oh, sans aucun doute, monsieur, sans aucun doute. Il avait une barbe et il avait des lunettes. Un chapeau noir, un casse-col noir. Et sans visage? Ordinaire, je dirais. Oui, ordinaire, c'est tout. Mais je connais sa profession. Détective, c'est lui qui me l'a dit. Et il m'a même dit comment il s'appelait aussi, en précisant que je devais le répéter à personne. Son nom était... Holmes. C'est exactement ça, Holmes. Sherlock Holmes. L'impertinence de cet homme est incroyable, absolument incroyable. C'était peut-être aussi qu'une autre façon de se déguiser. Je pense que cette fois, nous avons un adversaire extrêmement dangereux et très intelligent. Avec Smith, Anne Batté, à quel jeu 307, c'est la suite de Sir Henry. Me prenez pour un imbécile, c'est ça. Attendez, mais que faites-vous? Oh, rien, monsieur. J'ai trouvé la chaussure de monsieur et je suis venu la lui rapporter. Vous m'en rapportez une? Il y en a une autre qui a disparu. Mais je cherchais partout, monsieur. Eh bien, continuez à chercher et trouvez-la. Oui, monsieur. C'est insensé. On met ses chaussures devant la porte de sa chambre et on découvre qu'il y en a une de perdue, volée, égarée. Cette perte alors... est sans importance, Sir Henry. Montrez plutôt à Monsieur Holmes la nouvelle lettre de menace. Ce n'est pas pour les chaussures. Elles étaient vieilles. C'est le principe qui est grave. Si on ne peut plus se fier... Pardonnez-moi, Sir Henry. Cette lettre dont le docteur vient de parler. On l'avait glissée sous la porte. Tenez. Merci. Le démon vous attend à Baskerville Hall. Ne tentez pas le destin. Hein, le découpage des mots me rappelle quelque chose. Auriez-vous le Times de ce matin? Oui, là. Merci. C'est la rubrique dramatique qui a servi cette fois. Vous avez un crayon? Tenez, regardez. Le démon... À côté de cruel, nous avons le destin, etc. Eh oui, tout cela semble très révélateur. On peut donc être sûr que ces deux lettres ont été écrites par la même personne. Peut-être bien. Entrez. Pour Sir Henry Baskerville. C'est moi. Merci. Une autre lettre de menace? Non, non, non. Je vous présente Cartwright, un garçon qui m'a été d'une aide précieuse dans le passé. Vous devriez ouvrir ce télégramme. Ce doit être une réponse de Barrymore. Le domestique qui s'occupe de Baskerville Hall. Tout est prêt pour votre arrivée, Barrymore. Monsieur Holmes, je ne comprends pas. Voilà. Quand j'ai raconté au docteur Mortimer nos aventures de ce matin, il m'a dit que de tous ceux qui vivaient à, enfin, ou aux alentours de Baskerville Hall, il n'y avait que Barrymore dont la description corresponde à l'homme qui vous avait suivi. J'ai donc jugé préférable de vérifier où il était en lui envoyant un télégramme auquel il serait obligé de répondre. Le télégramme et la réponse ont été personnellement reçus et envoyés? Oui, monsieur, j'avais mis RMP, remis en main propre. Donc ça signifie que Barrymore ne pouvait pas être à Londres ce matin. J'ai une autre mission à vous confier. Monsieur Holmes, ce télégramme veut dire que Sir Henry va aller à Baskerville Hall, mais il ne doit pas y aller maintenant, surtout sans protection. Tout à fait d'accord. Tenez, Cartwright, voilà 5 livres. Vous allez vous rendre dans chaque hôtel du quartier de Charing Cross. Vous donnerez un pourboire à chacun des portiers pour qu'il vous autorise à examiner les papiers qui ont été jetés ce matin. Vous direz qu'un télégramme a été perdu. Mais en réalité, ce que vous chercherez, c'est 7 pages du Times de ce matin, dont certains mots ont été découpés avec des ciseaux. Ensuite, vous essayerez de découvrir le nom de la personne qui occupait la chambre où cette page a été jetée. Et enfin, vous me télégraphierez le résultat de votre enquête à l'adresse suivante. Vous avez de quoi noter? Oui, monsieur. Merci, monsieur Sherlock Holmes. Au bon soin de Sir Henry Baskerville. Baskerville Hall, Grimpen, Devonshire. Vous avez une question? Alors, au travail.
Il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. L'adresse que vous avez donnée implique que Sir Henry se rend à Baskerville Hall, alors que vous venez de convenir que s'il y allait, ce serait très dangereux pour lui. S'il y allait, sans protection. Mais si Sir Henry le permet, Watson et moi assurerons sa protection. J'accepte, bien sûr. S'il y a un démon qui m'en veut, où le trouver sinon à Baskerville Hall? Parfait. Je crois bien que demain matin, il y a un train qui part de la gare de Waterloo et qui arrive à Grimpen dans la soirée. Watson, veut vous charger des billets? Rendez-vous, messieurs. À Baskerville Hall. Ah, alors je vous conseille de rester sur la grande route. Il y a trois dangereux prisonniers, dont l'un qui est armé, qui se sont évadés de la prison de Princeton aujourd'hui. Merci. Il s'agit des prisonniers qui se sont évadés? Oui, monsieur, mais les gardes viennent de rattraper le dernier. Arrêtez! Arrêtez ou je tire! Oh, c'est horrible. Le comptier, un a été tué, un autre s'est noyé, et le troisième s'est fait engloutir par les marais. Eh bien, messieurs, vous pouvez continuer. Mais faites attention. On dit qu'un être bossu aux allures démoniaques rôde sur la lande la nuit. Merci. Sir Henry? Je suis Sir Henry. Je suis Barrymore, et voici ma femme. Nous avons tout préparé selon vos instructions, monsieur. Si vous voulez bien me suivre. Bonjour. 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 Alors, voilà mes ancêtres. Celui qui a un air si féroce, comment s'appelait-il? Sir Hugo Baskerville, monsieur. C'est avec lui que la malédiction a commencé. De la crème et du sucre, monsieur? Non, merci. C'est sinistre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Quel dommage que mon oncle Charles n'ait pas amélioré cet endroit. Il en avait l'intention. En fait, Sir Charles voulait morceler toute la propriété et faire construire des fermes modernes. Ah oui, oui, oui. Oh, ça aurait coûté des millions en Afrique du Sud. Une idée complètement utopique. Il voulait régénérer les terres pour les cultiver. Il est mort avant d'avoir pu commencer. Dommage, dommage. Oui. Oh, je ne veux pas faire attendre mon épouse. Le docteur Mortimer avait promis qu'avant de retourner à Grimpen, il me montrerait l'endroit précis où on a trouvé le corps de Sir Charles. Permettez-moi de vous accompagner. Oui, bien sûr. Watson? Non, 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 je vais rester ici pour me reposer. Comme vous voulez. Mm-hmm.
C'est dans ce coin? Oui, ici. Enfin, là. C'est exactement là que j'ai trouvé le corps de Sir Charles. D'après ce que vous nous avez dit, docteur Mortimer, il paraît évident que Sir Charles est venu ici de son plein gré. Pourquoi un homme, à qui la lande fait une peur effroyable, serait-il venu ici? Pourquoi? L'herbe couchée que vous avez découvert sur la butte le lendemain matin révèle qu'il est resté là à attendre jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose l'effraie suffisamment pour qu'il en meure. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas d'autre héritier de la propriété de Baskerville à part Sir Henry? Aucun. Sir Charles n'avait que deux frères. Le plus jeune, Roger, était, paraît-il, un être aux mœurs dissolues, les femmes, le jeu. Pour fuir ses dettes, il s'était réfugié en Amérique centrale où il est mort de la fièvre jaune. Aucun registre n'indique qu'il ait été marié ou qu'il ait une progéniture. Docteur, vous êtes certain que les empreintes de pied de Sir Charles et celles du chien allaient dans cette direction? Tout à fait certain. Ce sentier part de derrière la maison. Il n'y a rien apparemment de ce côté. Rien, à part les mines d'étain abandonnées du bourbier de Grimpen et les petites maisons où habitaient les mineurs. C'est la mine qui a rendu le bourbier si dangereux. Le tunnel a ébranlé les fondements du sous-sol. Vous me semblez connaître parfaitement la géologie des lieux. Je ne suis qu'un amateur. J'ai découvert quelques ossements préhistoriques. Ah, Mademoiselle Stapleton. Messieurs, permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Beryl Stapleton. Elle et son frère habitent la maison qui est à flanc de colline. Alors comme ça, nous sommes voisins. Ah oui? Beryl? Ah, Stapleton, j'étais en train de présenter ces messieurs à votre sœur. Voici le nouvel héritier du manoir, Sir Henry Baskerville. Très heureux. Et ce gentleman est Monsieur Sherlock Holmes, que vous devez connaître de réputation. Bien sûr. Stapleton est, disons, notre scientifique local. Ce n'est pas un simple amateur comme moi. La Royal Society a déjà exposé deux fois ses spécimens. Bien, écoutez, puisque nous allons être voisins, peut-être pourriez-vous venir déjeuner au manoir, vous et Mademoiselle Stapleton. C'est bien Mademoiselle Stapleton. Je serais navré qu'une personne aussi belle que vous soit mariée. Je vous remercie, mais ça me sera difficile. Ma sœur veut dire que c'est vous qui devez venir déjeuner chez nous. Ainsi que vous, messieurs, bien sûr. Non, non, je suis navré, mais j'ai mon cabinet en ville dont je dois m'occuper. Et il y a ma femme. Monsieur Holmes? Non, je dois refuser, merci. J'ai certaines choses à vérifier au manoir. Alors vous êtes là pour enquêter sur cette soi-disant malédiction des Baskerville. J'avoue que je m'en doutais. Mais comment un homme de votre intelligence peut s'intéresser à ce genre de baliverne? Je ne le comprends pas. Je vois que vous ne croyez pas du tout à cette histoire de créature démoniaque. Pas du tout. En tant que scientifique et ancien professeur, je me considère comme un rationaliste convaincu. Oh, je vous en prie. Voyons, voyons, Stapleton. Vous devez quand même reconnaître qu'il se passe des choses étranges sur la langue. Rien qui ne puisse être expliqué rationnellement. Ce n'est pas votre avis, Monsieur Holmes? Pour le moment, je voudrais garder un esprit ouvert à toutes les possibilités, même si je risque de paraître crédule. Et y aura-t-il une réponse, monsieur? Oui. Procédez comme convenu. Signé Holmes. Merci. Oh, merci à vous. Cartwright? Oui. Comme je le pensais, il n'est encore arrivé à rien, mais vous disiez que vous aviez découvert quelque chose de curieux. Curieux, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est en haut, dans une pièce du grenier. Ah oui. J'ai fait cette découverte en furetant dans la maison. C'était la pièce préférée de Sir Charles. Le sanctuaire des sanctuaires. Mais vous allez voir. Ah. Et bien voilà. Marimore m'a certifié qu'on n'avait touché à rien dans cette pièce, ni changé quoi que ce soit. Comme vous le voyez, les journaux de Sir Charles sont là où il les avait laissés. Je vous avoue que je ne vois rien de curieux. Ah, vraiment? Rien, hein? Ah. Si vous éclairiez ma lanterne. Regardez là. Une brûlure qui n'a pu être faite que par de la cendre incandescente. Et à côté, les restants de la cendre. Or, le docteur Mortimer nous a dit que, sur son insistance, Sir Charles avait arrêté de fumer. Donc, Mortimer a-t-il été franc avec nous? Ou ne serait-il pas venu quelqu'un d'autre dans cette pièce? Peut-être même la nuit où Sir Charles est mort. Ce n'est ni l'un ni l'autre.
Cette brûlure n'a pas été faite par des brins de tabac. Il y a encore des traces distinctes de fibres de chanvre. Donc, ce qui a brûlé, c'est un genre de papier épais qu'on utilise pour les testaments, les documents officiels. Mais ça peut venir de la cheminée. Non, 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 non. Je crois que ce papier a été brûlé tout près du tapis. Je crains que ce ne soit inutilisable. Voyons. Peut-être pas entièrement. Maintenant, le papier tournesol, Watson. Lisez ça. P.S. Je vous en prie, puisque vous êtes un gentleman, brûlez ce message et soyez à La Roche Noire ce soir à 10h. L.L. Vous aviez raison, Holmes. Sir Charles attendait bel et bien quelqu'un sur la lande. Il attendait L.L. Peut-être que dans le registre paroissial, vous trouverez quelque chose. James Lardiner, Anne Lorimer, Matthew Lucas... Non. Non, rien qui corresponde à L.L. Pourtant, nous savons que L.L. existe et que Sir Charles le ou la connaissait. Vous allez m'éplucher ce registre avec soin. Les noms de baptême et même la liste des nobles. Peut-être qu'il en ressortira quelque chose. Oui, bien sûr, mais où allez-vous, Holmes? Au village, voyons. Pour le papier à lettres. Ça peut nous donner un nouvel indice. D'usage public sera supprimé. Hein? Un instant, je vous prie, monsieur. Et le dit et présumé droit d'usage public, c'est noté, mademoiselle Franklin. Oui, monsieur. Donc le dit et présumé droit d'usage public sera supprimé et les terres ainsi que le domaine seront réservés à l'usage exclusif de leur propriétaire, le défendeur Arthur Franklin. Voilà, vous avez tout noté. Oui, oui, monsieur Franklin. Et en triple exemplaire, et pour demain au plus tard, mademoiselle Franklin. Oui, monsieur Franklin. J'ai l'intention d'emporter ça au tribunal demain. Au tribunal, monsieur. Et je vais leur déposer carrément sous le nez. Alors nous verrons bien qui possède quoi. Demain au plus tard, mademoiselle Franklin. Oui, monsieur. Bien, je suis à vous, monsieur. Quelque chose ne va pas, monsieur? Votre nom de famille est celui de ce gentleman. Coïncidence? Oh. Tenez. Oh, monsieur Holmes. C'est mon père. Je ne vois pas pourquoi je vous le cacherais, puisque n'importe qui dans le village pourrait vous le dire. Mon père et moi, nous nous sommes fâchés. Pour une histoire d'ordre privé qui date d'il y a 4 ans. Je suis allée à Liverpool et j'y ai appris la sténographie. Quand je suis revenue, j'ai ouvert ce magasin. Malgré cela, mes relations avec mon père n'ont pas changé. On ne s'adresse toujours pas la parole et il n'est pas question que ça change. Il y a une exception, car mon père engage assez souvent des poursuites judiciaires. Et il n'y a que moi qui sache taper à la machine dans le village. Je vois. Eh bien, si je peux pousser plus loin la curiosité, vous arrive-t-il d'avoir du papier à lettres qui serait fabriqué avec du chanvre indien? Oh oui, j'en ai là. Ah. Vous souvenez-vous en avoir vendu récemment? La semaine dernière, non. Non, je voulais dire ces derniers mois. Oh. Oh oui. Oui, j'en ai vendu au pasteur, ainsi qu'à mademoiselle Dean, la bibliothécaire, à monsieur Fellows, c'est le maître d'école. Oh, et il y avait Sir Charles Baskerville qui en commandait souvent avant sa mort. Oui, je vois. J'ai peur de ne pas vous avoir beaucoup aidé. Pas de façon spécifique, mademoiselle, mais... merci. Ah, Holmes, j'allais justement essayer de vous voir au village. Vous avez trouvé le nom? Non, j'ai seulement trouvé un brigadier à la retraite.
Lice Lawford, mais il a 90 ans passés. En réalité, il y a un autre télégramme pour vous et qui est marqué « Urgent ». L'affaire Smith-Tyson. Je dois immédiatement rentrer à Londres. J'ai juste le temps d'attraper le train. Quoi ? Mais non, attendez ! Souvenez-vous qu'on a promis à Sir Henry de le protéger. Si nous repartons, que va-t-il... Non, pas nous. Vous, vous devez rester, Watson, et tenir notre promesse. Voilà votre sac, Holmes. Oh, merci, Watson. Je reviens aussi vite que je le peux, et pendant mon absence, Watson assurera votre protection. Vous êtes armé, Watson ? Oui, je ne crois pas que ce soit utile. Je ne suis pas de votre avis. Tant que nous ne savons pas plus, évitons de prendre le moindre risque. Donc, je préfère que vous ne sortiez pas seul, et vous devez me promettre que, sous aucun prétexte, vous n'irez sur la lande la nuit. Si vous insistez. J'insiste. En voiture, s'il vous plaît, messieurs, en voiture. Je compte sur vous, Watson. Oui, bien sûr, bien sûr. Être un fantôme. Il paraît qu'il ne laisse pas d'empreinte. Ou alors ça pourrait être la personne qui a provoqué la mort de Sir Charles, qui est revenu pour vous menacer. Moi, je n'y crois pas tellement. Meryl. Bonjour. Bonjour. Sir Henry. Bonjour. Nous allions prendre notre thé du matin. Vous vous joignez à nous ? Non, non, cette fois, c'est vous qui venez au manoir prendre le thé et déjeuner. Vous aussi, Dr. Watson ? Non, merci. Je crois que je vais aller explorer les environs. Soyez prudent, docteur. Oh, pourquoi ? Il se passe des choses étranges sur la lande. Je le sens. Ma charmante sœur croit fermement au fantomatique chien des Baskerville. N'est-ce pas ? Oui, j'y crois. Monsieur ? Non, non merci. Docteur Watson ? Non, merci. C'est curieux, vous ne trouvez pas ? Vous parlez de Mademoiselle Stapleton ? Son frère se débrouille toujours pour ne jamais me laisser seul avec elle une minute. Seigneur, qu'est-ce que c'est ? Ça vient de la mare au diable, monsieur. Il tire au canon pour faire remonter le corps de l'homme qui s'est noyé. On dit au village qu'il s'en est peut-être tiré ? Oh non, monsieur. Pas de la mare au diable. Oh, quelle sale affaire. Je crois que c'était un assassin. S'il ne s'était pas noyé, il l'aurait pendu. Vous parlez de Selden, le tueur fou de Notting Hill Gate ? Moi, je faisais allusion à ce bruit infernal que fait le canon. J'espère qu'elle ne va pas troubler mon sommeil. Vous avez entendu, vous aussi ? Oui. Des bruits de pas. C'est de ce côté. Allez. La personne a disparu. Où a-t-elle pu passer ?
Ah, vous allez encore voir Mademoiselle Stapleton. Exactement. Et il n'y a aucun doute que je verrai aussi son frère, malheureusement. Au fait, dites-moi ce que vous pensez de ça. J'ai donné de vieux vêtements à Barrymore et il en a été très heureux. Avez-vous parlé à Barrymore de ce qui s'est passé cette nuit? Oui. Il m'a dit n'avoir rien entendu. C'est curieux. Oui. Bien, à plus tard. Oui, ça y est, le voilà. À Monsieur Barrymore, expéditeur Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel, Londres. Je l'ai apporté moi-même. Donc vous avez donné ce télégramme à Barrymore en personne? Eh bien, c'est tout comme. Oui. Il était occupé au grenier, il le nettoyait, alors je l'ai remis à son épouse. C'est elle qui a signé et qui vous a donné la réponse? C'est ça. Donc en réalité, vous n'avez pas vu Barrymore? Doucement, doucement. Vous savez que ça peut être fatal. Oui, j'ai peur que... Enfin, j'avais cru entendre des bruits bizarres. Votre pique, je suppose. Oui, les fouilles, c'est ma passion. Vous voyez le crâne qui est là? Il se pourrait qu'il provienne de Pigdown. C'est étonnant de le trouver dans notre région. Je suis si fier que j'ai demandé à l'Académie royale de l'enregistrer sous le nom de John Llewellyn Mortimer, le vertébratus du Pléistocène. Llewellyn? Vous n'êtes pas gallois? Oh, si, par ma mère. Regardez-le. Je n'ai pas une merveille. J'espère en trouver beaucoup d'autres s'ils ne détruisent pas le sol avec des fermes et des canaux d'irrigation. Oui, le genre de choses que Sir Charles projetait de faire avant de mourir. C'est cela, oui. Savez-vous que vous m'avez fait très peur? Je ne savais pas que c'était vous. Je pensais que c'était l'homme mystérieux de la lande. Celui dont tout le village parle. Certains disent que c'est une énorme et effroyable bête sauvage. D'autres disent que c'est un bossu avec un enfant. Ils craignent que cette créature diabolique n'attire leurs enfants dans le bourbier de Grimpen. Oui, oui, bien sûr, vous n'y croyez pas une seconde. Non, bien sûr que non. Quoique, il y ait quelque chose d'étrange sur la lande la nuit. J'en ai la sensation. Vous n'y croyez pas? Peut-être bien. Oui, peut-être bien. Des signaux. Barrymore! Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-vous et tout de suite. À qui faisiez-vous des signaux? Nous ne faisons de tort à personne, monsieur. Nous ne faisons que donner à manger à cet homme, c'est tout. Quel homme? Le neveu de ma femme. Il ne s'est pas noyé dans la mare au diable. Selden? L'assassin qui s'est évadé?
Il n'est pas du tout dangereux. Il n'a pas toute sa tête. C'est un innocent incapable de faire du mal, je vous le jure. Dès que les recherches pour retrouver son corps se sont arrêtées, nous voulons le faire enfermer dans un asile d'où il ne pourra jamais... Regardez ! Ça recommence. Vous deux, restez là. Et n'essayez pas de refaire des signaux. Sur cette souche, ça viendrait. Maintenant, venez, allons le cacher avant que celle n'arrive. Mais il l'attrape, ce sera comme s'il pendait un animal sans cervelle. Ce n'est pas notre homme. Mais j'éprouve une sensation plus qu'étrange. Repartons, on ne peut rien à faire de plus. Savez-vous que je pourrais vous attaquer pour violation de propriété privée et conspiration? Conspiration? Mais de quoi? Et avec qui, monsieur? Mortimer, évidemment. Il aimerait creuser mes terres à cause de sa folle passion pour les ossements. Voilà la conspiration. Oh, après tout, quelle importance. Allez, oublions ça. Aujourd'hui, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour moi. Trois affaires ont été acceptées en une seule audience du tribunal de Sa Majesté. Trois! Je vais apprendre à tous ces gens qui manquent d'égard que la loi est la loi et qu'Arthur Franklin n'a pas peur de la faire respecter. Franklin? Ah oui, bien sûr, votre fille est la sténo du village. Ma fille? Oh, sachez qu'elle n'est pas ma fille. Elle n'a même pas le droit de porter le nom de Franklin. En tout cas, pas depuis qu'elle m'a défié et qu'elle s'est enfuie à Liverpool pour épouser une espèce de scélérat dont elle n'est même pas osé divulguer le nom. Il doit y avoir quand même un recours légal. Alors, votre opinion, monsieur? Oui, je suppose. Exactement. Car voyez-vous, si je vous accorde le droit de passage aujourd'hui, demain je verrai apparaître cet étranger à l'allure suspecte qui rôde constamment par ici. L'étranger? Vous l'avez vu? Où est-il? De ce côté, vers cette petite maison vide là-bas. Faites attention à rester loin de la crique. Je détiens les droits de riverain. Holmes. Ce n'est pas vrai. Alors pendant tout ce temps, vous étiez là? Exactement. Enfin, vous auriez pu me le dire quand même si j'avais su que... Si vous l'aviez su, je n'aurais pas pu mener à bien mes plans. Je suis désolé de m'être servi de vous, mais j'y étais obligé. Ce n'est qu'en faisant semblant de ne pas être là que je pouvais observer les voisins de Sir Henry tranquillement. Donc j'ai prétendu devoir partir pour Londres alors que je restais là. Cartwright. C'est le jeune Cartwright qui m'a fourni du linge, de la nourriture, et qui a aussi transmis certaines questions par télégramme grâce auxquelles j'ai eu de précieux renseignements. Je suppose que maintenant vous savez que le deuxième prénom du docteur Mortimer est Llewellyn. Oui, je le soupçonne fort de pouvoir être le fameux LL qui a conduit Sir Charles à la mort. Possible. Mais ne serait-ce pas plutôt les initiales de Laura Lyons, qui est le véritable nom légal d'une certaine mademoiselle Frankland? Il est étonné.
J'ai aussi appris d'autres choses, mais nous les approfondirons en discutant avec Madame Lyons. Oui, oui, mon vrai nom est Lyons. J'ai été mariée, mais je l'ai été seulement quelques jours. Ensuite, j'ai quitté mon mari. Vous avez caché votre nom et votre mariage à tout le monde. Non, rien qu'à mon père. S'il avait découvert le nom de l'homme que j'ai épousé, il aurait sûrement fait un scandale au tribunal. Il aurait profité du fait que je voulais demander le divorce. La preuve. Même Sir Charles m'avait aidé à engager un bon avocat. Et le docteur Mortimer connaissait mon projet. Monsieur Stapleton, ne le connaissait-il pas lui aussi? En réalité, n'était-ce pas à cause de votre liaison avec lui que vous vouliez divorcer? Non! Allons, ne niez pas. J'ai été le témoin de vos rendez-vous secrets avec Stapleton. Mais ce n'est pas un crime de vouloir se marier? Non, pas s'il avait lui-même essayé de divorcer avec la femme qu'il fait passer aujourd'hui pour sa sœur. Oh, mais ça ne peut pas être vrai! Je ne vous crois pas. Vous n'avez pas la moindre preuve. J'en ai. Cartwright. Document, article, photo, télégramme de confirmation. Tout ceci prouve que Beryl Stapleton n'est et n'a jamais été la sœur de Stapleton, mais sa femme. Ces documents prouvent que son père était un planteur anglais du Honduras britannique quand Stapleton l'a épousé. Stapleton fit faillite, revint en Angleterre et changea de nom. Il ouvrit une école et fit encore faillite. Il changea encore de nom pour échapper à ses créanciers et il vint dans le comté de Devon sous le nom d'emprunt de George Stapleton. Mais enfin, Holmes, comment... Voyons, rappelez-vous, Watson, que Stapleton nous a dit avoir été professeur. À partir de là, c'était facile. Il n'y a rien dans la société anglaise qui soit aussi détaillé et précis que le curriculum vitae d'un professeur. Vous êtes convaincu maintenant? Oui. Alors admettez que vous êtes la Hell qui a écrit une lettre à Sir Charles pour l'implorer de vous retrouver sur la lande la nuit de sa mort. Oui, mais c'était George... Monsieur Stapleton qui a insisté pour que je la lui écrive. Il est allé jusqu'à me la dicter. Il était sûr que Sir Charles me donnerait assez d'argent pour que le dernier arrêt de mon divorce soit enfin rendu. Et Sir Charles m'a effectivement donné assez d'argent. Alors vous l'avez vu sur la lande cette nuit-là? Non, non, ce n'était plus la peine que je le voie cette nuit-là. Parce que dans l'après-midi, quelqu'un m'avait apporté suffisamment d'argent de sa part. Qui? Le docteur Mortimer. Je peux tout vous expliquer sans difficulté. Nous allions vous en prier. Ce n'était pas l'argent de Sir Charles que j'ai donné à Mademoiselle Franklin. Il n'y a rien de plus facile à vérifier. Sir Henry a tous les papiers de Sir Charles et il a la clé de son coffre privé. Mais d'où venait l'argent alors? D'où? En réalité, c'était mon argent. Vous lui avez donné votre argent? Pourquoi? Eh bien, j'étais au courant de son dilemme, mais... En réalité, si je lui avais dit que c'était le mien, ma femme aurait pu... Eh bien, elle... Tout ça est assez embarrassant. Je crois que j'ai un patient qui m'attend. Vous voulez dire que votre femme aurait pu être jalouse? Non. Pas vraiment jalouse. John Llewellyn, qu'est-ce que ça veut dire? Avec qui et de quoi parles-tu? À personne et de rien. Chérie, de rien. Ne me raconte pas d'histoire! Si jamais tu as l'intention d'aller boire avec ces deux-là, je te préviens que tu pourras aller déjeuner ailleurs et dîner ailleurs aussi. J'espère que c'est compris. Sir Henry! Sir Henry! Barrymore. Oui, monsieur. Oh, Barrymore, avez-vous vu Sir Henry? Non, je ne l'ai pas vu, monsieur, mais peut-être est-il dans un des petits salons. Dois-je aller voir? S'il vous plaît, oui. Watson. Oh, vous êtes là, je pense que... Watson. Hein? Vous avez l'air fasciné. Oui, dans ce portrait de Sir Hugo, j'ai l'impression qu'il y... Ah, c'est évident. Le mobile, le voilà, votre mobile. Vous ne voyez vraiment pas la cicatrice sur la joue de Mortimer. Elle est exactement au même endroit que la tache de Sir Hugo. Pour cacher qu'il est du même sang, et le mobile auquel il obéit, Mortimer, a masqué cette tache révélatrice. Bien sûr. Mais oui, bien sûr, je ne peux que vous féliciter. Vous venez de mettre la main sur le détail que nous avions, si je puis dire, sous le nez depuis le début de cette histoire.
Oui. Une préparation à base de résine. Je crois que la vapeur d'un alcool chauffé devrait suffire. Un petit peu plus haut, oui. Encore plus haut. Encore. Voilà. Un peu plus haut. Ça vient. Regardez. Stapleton. Il a modifié ce visage pour cacher sa ressemblance avec Sir Hugo. Et dire que ce matin, j'ai laissé Sir Henry seul avec lui. Mais je ne sais pas où est Sir Henry, monsieur. Je pense que vous le savez, madame Barrymore. Si vous voulez avoir une chance de sauver votre neveu de la potence, madame, dites-nous où peut se trouver Sir Henry et le plus vite sera le mieux. J'ai entendu ce qu'il disait sans le vouloir. Mais il m'a fait jurer de ne le répéter à qui que ce soit. Il a un rendez-vous secret avec mademoiselle Stapleton. Où ? Sur la lande, monsieur. Sir Henry ! Sir Henry ! Sir Henry ! Sir Henry est mort. Non, Watson. Ce n'est pas Sir Henry. Selden. Mais c'est Sir Henry qui aurait dû être la victime. Je pense que Barrymore a donné les vieux vêtements de Sir Henry à ce pauvre Selden. Une malencontreuse charité. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Il y a eu un accident. Sir Henry. Après être parti, j'ai entendu un cri. Mais je ne comprends pas. C'est Selden, le prisonnier qui s'est évadé. Apparemment, il ne s'est pas noyé dans la mare au diable. Que s'est-il passé? Quand il a vu que Watson et moi nous le poursuivions, il s'est enfui et dans sa panique, il est tombé. Alors ce n'était pas le chien des Baskerville? Non, mademoiselle. Tout comme votre frère, je ne crois pas un seul instant à ces balivernes surnaturelles de chiens démoniaques. Mais je crois que nous avons affaire à un dangereux criminel en chair et en os. Sœur Henry, je me sens tout à fait rassuré. Car cet homme étant mort, vous ne risquez plus rien maintenant. Ce qui fait que Watson et moi, nous allons rentrer nous occuper d'une pressante affaire qui nous attend à Londres. Une affaire? Oui, mais... l'affaire Smith-Tyson, Watson. Je crois avoir trouvé le coupable, mais il nous reste encore à le prouver. Ah oui, bien sûr. Mais quelque chose ne va pas. Ce pauvre diable n'a pas pu envoyer les lettres de menace, et ça ne peut pas être non plus le barbu qui me suivait à Londres. Ce qui nous amène à son complice, Barrymore. Barrymore? Vous êtes sûr? Eh oui, Barrymore. Barrymore était prêt à tout pour empêcher Sir Henry de revenir à Baskerville Hall, sinon il n'aurait pas pu réussir à secourir Selden. Ah oui, je comprends. Quand comptez-vous partir, Monsieur Holmes? Et par le premier train du matin. Prochain arrêt, Arbright, Arbright, Devonshire. Ah, excellent. Vous nous avez amené l'inspecteur Lestrade, selon mes instructions. Inspecteur, je suis sûr que notre ami Cartwright vous a mis au courant de ce qui s'est passé. Oui, et j'ai bien l'intention d'intervenir tout de suite en arrêtant ce misérable qui dit s'appeler Stapleton. Oh non! Non, pas encore de preuves suffisantes pour nous le permettre. Non, si nous voulons l'arrêter, il faut le prendre sur le fait. Soit, mais comment? Eh bien, il faut essayer de piéger Stapleton.
C'est à cette fin que j'ai demandé à Sir Henry d'accepter une invitation à dîner chez le Stapleton ce soir. Il va y mentionner qu'il a décroché les tableaux ancestraux des murs de Baskerville Hall, car il a le projet de les nettoyer et de les faire restaurer. À la suite de quoi, il dira aussi qu'il doit retourner immédiatement au Canada. Nous sommes convenus qu'à 10 heures précises, il prendra congé de ses amis et qu'il rentrera au manoir en passant par la lande. Donnez-moi la veste de Sir Henry et son écharpe. Il faut qu'on le suive. Le chien? Non, non, il est mortellement blessé. Il y a un animal beaucoup plus dangereux à capturer. Stapleton. Les traces de pas s'arrêtent là. Oui, comme je m'y attendais. Il a dû aller vers la vieille mine. Mais... regardez. C'est la chaussure que j'avais perdue à Londres. Pas perdue, Sir Henry. Elle vous a été volée par Stapleton. Pour mettre le chien sur votre piste, il lui fallait quelque chose qui soit à vous. Et que vous ayez déjà porté. C'est pourquoi la chaussure neuve qu'il avait volée la première fois ne lui convenait pas. Regardez. Regardez! Les traces du chien. Il a voulu suivre son maître. Stapleton! Stapleton! Par ici, Holt! Le voilà! N'avancez pas, Lestrade! Ce sont des sables mouvants! Aucun moyen de traverser. Si, il y en a un. Regardez. Là. Vous voyez cette mousse argentée? Vous la voyez? Il ne pousse que sur les roches siliceuses. C'est elle qui va nous montrer le chemin. Venez! Qui a dû le dresser. Alors pourquoi s'est-il retourné contre lui? Ce chien, dans les affres de l'agonie, se serait emparé de n'importe quelle proie pour l'entraîner dans la mort avec lui. L'homme peut créer le mal, mais il ne peut jamais le contrôler. C'est simplement le vent, Watson. Oui, bien sûr. Simplement le vent.
Il est curieux de constater que Stapleton, qui était un Baskerville, soit mort pour récupérer son héritage et qu'il soit devenu la dernière victime de la malédiction des Baskerville. Ah, c'est mieux, vous ne trouvez pas? Quoi? Ah, le feu, oui. Watson, vous devriez venir m'aider en tenant ceci. Voilà. Doucement, doucement. Ah, oh, c'est quelque chose de fragile. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Maintenant que je vous tiens, si je puis dire, vous m'aviez promis de clarifier un ou deux points de l'affaire Baskerville. Dommage. Votre expérience a l'air d'avoir raté. Mais revenons à l'affaire Baskerville. J'aurais pourtant cru que les différents aspects de cette affaire étaient tout à fait clairs. Ah, tout à fait, tout à fait. À part un ou deux détails. La femme de Stapleton, par exemple. Je suppose que c'est pour cacher qu'il était lui-même à Baskerville qu'il essayait de la faire passer pour sa sœur. Oh, en partie, oui. Veuillez l'approcher de la flamme. Pas si près, pas si près. Voilà. Mais surtout, il espérait se servir d'elle. Pour séduire Sir Charles et le mettre en position de faiblesse, seulement Madame Stapleton a refusé de le suivre dans ses projets. Ce qui fait qu'il a été forcé de faire intervenir sa conquête, Mademoiselle Franklin ou Madame Lyon, si vous préférez. Merci. Et les lettres de menace qu'il a reçues ici à Londres, ce n'était qu'une autre ruse de Stapleton pour nous tromper. Non, pas du tout. Elles étaient tout à fait sincères, mais écrites par sa femme. Voyez-vous, elle savait que Stapleton avait l'intention de tuer Sir Henry, et elle a fait de son mieux pour empêcher ce dernier d'aller à Baskerville Hall. Voudriez-vous presser cette poire? Comme ça? Oui, c'est bien. Mais en faisant ça, elle risquait sa vie. Ah oui, je suis tout à fait convaincu que si jamais elle avait réussi, Stapleton n'aurait pas hésité à la tuer, elle aussi. Son objectif était de tuer Sir Henry. S'il l'avait pu, il l'aurait fait. Ce chien, qui, soit dit en passant, était caché et enfermé dans la mine abandonnée de Grimpen Moor, avait été dressé à devenir un tueur de la pire violence. Si Stapleton avait pu, il aurait fait massacrer Sir Henry par le chien. Vous vous approchez, non? J'espère avoir éclairci ce qui était obscur. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Ça? Lestrade m'a demandé de vérifier quelque chose. Je lui avais dit que ce n'était pas de la pure nitroglycérine, mais j'ai préféré en être certain, naturellement. Ah, naturellement. Naturellement. Oh, il y a d'autres échantillons là-dessus, hein, si ça vous intéresse. Non, j'ai un rendez-vous important à mon club, voyez-vous. Dommage. Ah, une dernière chose. Voulez-vous jeter ça dans la poubelle en partant? Attrapez. Oui, mais... Je ne toucherai pas aux autres échantillons avant que vous soyez revenu. Non, je ne voudrais pas vous retarder. Non, j'insiste. J'insiste. C'est très aimable à vous. Je vous remercie. Au revoir. Il faut reconnaître que Holmes était un homme de génie, mais il avait un sens de l'humour très particulier. Malgré tout, je savais qu'à mon retour au 221B de Baker Street, la prétendue nitroglycérine que Lestrade avait apportée à Holmes promettait une autre aventure passionnante.